la règle a été mise au jour. D'accord, donc là je vais rester un jour éternel, là c'est pas fini. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, comme ça, genre, si je reste en jour permanent, c'est pas fini. Quand je fais tab, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Bah. Ben, c'est ce que je fais à la base, mais du futuriste. C'est ce que je fais. Histoire pas de le tirer. Il faut que ce soit celui-là. C'est vrai que quand je fais une partie comme ça, que je suis en LAN pour avoir des problèmes, donc je ne sais pas ça. Bon, faut que je redémarre. Factionner. Tu vas savoir en faction de crafter. Bah là moi je vais ouvrir un petit serveur en fait que je vais utiliser pour les viewers en fait. Histoire d'inviter les viewers. Pour les viewers à faire du build avec moi si vous désirez encore. Alors, hop, on va remettre ça en place. Toi, en fait, c'est ça que. C'est ce modèle-là, mais bon. Ça fait. Je viens de m'apercevoir que là, j'enlève le dessus de la manche. Ok, son gris par-dessus. Calandre au centre, il faut trois fois son gris. On va assez ce modèle. C'est ce modèle-là. Ah, je kiffe, moi, le Renault Magnum, en fait, c'est dans les camions, c'est mon préféré. C'est vraiment mon camion préféré. Là, tu vois, pour avoir les vues de face, tu vois, de côté, comme ça. Bah, j'utilise ça en fait, qui est pas mal. Ça me permet d'avoir un point de vue différent. Là, j'ai un point de vue réaliste, après j'ai le point de vue plus technique. Ça permet d'avoir la vue de face et tout, pour faire des emplacements. Ouais, franchement, c'est un des camions, magnifique, est super beau, quoi. Au niveau de l'aspect du camion, Renault a tapé très très haut sur ce modèle-là et franchement, là, le nouveau modèle qu'ils ont fait encore, il a une gueule monstrueuse, juste magnifique.
Alors. 39 en bas, Minecraft. Partie solo, c'est pas grand, c'est pas grand. Parce que là, sur la grande ville, j'avais fait. Si t'as l'occasion de regarder dans les Airbus, tu verras, j'ai fait. Je suis fait un Airbus, je fais quelques trucs. J'ai fait pas mal de choses là, parce que comme là, je suis déjà sur un serveur. Sur un serveur Cubanu. J'ai la build le serveur, j'ai un gros projet dessus, j'ai un château médiéval aussi dessus. Je suis en cours de finition sur un défi. Plus ma ville, je fais à côté. J'ai pas mal de petits projets là qui sont dessus. Voilà, en l'occurrence, voilà, ça c'est du futurisme tel que je le vois moi. Ça va être une ville qui est basée sur ce genre de choses. Un texture pack qui est vachement, qui est super adapté. Plutôt pas mal. Celle-là, je l'ai fait en solo. Celui-là, je l'ai fait en solo. Pour l'instant, je m'amuse. Petite ville comme ça, donc j'ai commencé à faire ça. Le quartier, ça fait partie en fait du spatio de, enfin, du spatioport, l'aéroport spatial plutôt. Il y aura autre chose qui viendra dessus. Là, c'est une petite ville qui s'ensuit. Donc ça va être tout ça, ça va être assemblé. C'est plusieurs maps en fait que je vais assembler pour faire une seule ligne qui servira de map aventure. C'est un gros, très gros projet que j'ai en tête depuis déjà maintenant. Ça va faire presque un an. Je cherche à faire quelques petites choses à droite à gauche. Là, j'ai construit genre un petit point de mine. Bâtiment d'habitation, tout ça. Non, parce qu'à la base, je construis en solo sans WordEdit. Quand je suis sur serveur avec WordEdit, j'ai tendance à l'utiliser et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Je le fais à contre-cœur. C'est voilà, parce que en fait cette ville-là, si tu veux, en fait, elle sera faite, bon, ça sera mis sur un serveur en fait pour que je puisse élaborer bah, tout ce qui est commande bloc et tout. Pour faire les commandes blocs, pour faire tout le temps place des plus qui s'ensuit, qui serviront bah, pour la map aventure. Le projet est assez. C'est badass à faire quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et du coup, on va attendre que ça charge. Alors ça va être le vaisseau qui sera posé au spatiodoc. Il sera fait en deux exemplaires, un dans l'espace, parce que l'aventure va commencer dans l'espace. L'aventure commence dans l'espace, ensuite on est sur la planète, là on voit le vaisseau atterrir. Sort du vaisseau et ensuite on va faire la. Après, ça dépend ce que tu appelles une ville biofuturiste, parce que moi je suis assez. C'est du futuriste réaliste, si tu veux. Je reste. Je suis non fantastique, non science-fiction, je suis très. Je projette en fait notre présent en futur. J'essaie de garder une certaine cohérence sans avoir de truc un peu extravagant. Je reste vraiment dans le réalisme plus total. J'essaie de rester le plus réaliste possible. Attends, tu m'as chargé. Ça a du mal à charger. Hein. Ah, donc ça c'est un vaisseau. Donc, quand tu regardes du ciel, tu ne vois pas le bâtiment.
Voilà, ça c'est le vaisseau spatial là qui va. Je sais pas ce qui va pas fonctionner. Voilà, donc le vaisseau qui lui commencera, bah, ça sera le début de l'aventure en fait. Ça commence l'aventure dans ce vaisseau-là. Petit parcours. Je pourrais l'avoir. Ah non, je pense pas. Il sera en upload, mais pas tout de suite. Je fasse quelques finitions avant. Bien sûr, bah, je mets le sur-temps. Sans suivi, bah, je vais faire un pack complet. Je vais avoir plusieurs builds. Je vais prendre le club. Je mettrai un lien sur YouTube. Là. Ceux qui veulent upload le vaisseau, ça change. Donc là, il sera en upload. Et tant qu'il sera pas, tant que la petite map aventure sera pas faite, tout fait les intérieurs. J'ai fait vraiment tous les intérieurs. J'ai fait le cockpit. Là, la passerelle. Passerelle de commande. Salle d'informatique, salle de repos. J'ai fait salle d'informatique. Ah, c'est une salle de classe. Combien d'abos YouTube? Je sais pas, j'en ai à 46, je crois. J'en ai à 46 abos. La chaîne marche pas si bien que ça. Quoi. Alors, on a hop, un infirmerie. Petite infirmerie qui est là. Au fond, le laboratoire de recherche, la zone de quarantaine. Oh, mais pas trop qu'il a touché des tonnes. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, alors YouTube, oui, c'est très dur. C'est extrêmement dur. Là, on a la partie. C'est la partie. Son cryogène et tout ça, quoi. Les caissons cryogènes, 156 caissons, parce qu'il y en a dessus en dessous. C'est 4 mois et demi de travail dessus. Perso, je compare ma chaîne à celle du CERN, différence en haut, c'est clair. C'est clair. Oh, bon, ma chaîne est encore récente, ça fait quoi? Ça fait. Ça va faire 4 mois que j'ai commencé à faire, 4-5 mois que j'ai commencé à faire quelque chose dessus. Ah, ça fait 4 mois maintenant. Ça va faire ouais, 4 mois que je fais des lives maintenant. Ça du mal à démarrer. Ça a vraiment de mal. Avec deux trailers, ma chaîne du CERN fait 700 vues. En deux vidéos. Putain, moi, je fais 700 vues, j'ai 58 vues. J'ai fait 568 vues. Dans 3 vidéos, 61 vues. Voilà, je peux pas te dire mieux, quoi, sur YouTube. Alors, YouTube. Je fais pas des records sur ma chaîne, c'est ça qui est. Là, je suis à 46 abonnés. Je fais 583 vues. Et j'ai en tout et pour tout. J'ai 85 vidéos. Beaucoup font 0 vues. 1 vue, 2 vues. Il y en a 5.